Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Nous fredonnons le cantique 320, les strophes 1 à 3. Nous nous levons pour fredonner ce chant. Christos en este. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. En allemand. En anglais. En brésilien. Qu'est-ce qu'on... En bassa. En lingala. Y a-t-il encore une autre langue présente? C'est qui? C'est qui? Une autre langue encore. Nous avons les masques. C'était bien... Vous l'avez fredonné. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, quelle que soit votre confession. Aujourd'hui, nous sommes réunis catholiques, protestants, peut-être quelques orthodoxes qui seraient avec nous en avance. Peut-être y a-t-il parmi nous aussi des personnes peu familière à la foi chrétienne, chacune et chacun d'entre vous est le bienvenu en ce matin de Pâques dans la tradition occidentale. Ils étaient une vingtaine ce matin sur la petite colline de Choulet, au Bois de Pin, dans le domaine du Crève-Cœur, pour attendre le lever du soleil et pour proclamer la résurrection. Nous prions Dieu.
Christ, en ce matin de Pâques, tu es ressuscité. En ce matin d'avril, cet éternel matin de 2000 ans et des poussières. Mais nous sommes trop nombreux à te chercher encore parmi les morts. Ne t'en offusque pas, montre, nous t'en prions, de la patience, de l'indulgence pour nous qui ne savons pas voir, pour nous qui ne savons pas croire, pour ce qui nous effraie et ce que l'on garde pour soi. Ô Seigneur, quelles empotées nous faisons trop souvent quand on nous dit « ne craignez pas », quand on nous dit « c'est pourtant ça, c'est pourtant là ». Hâtez vos pas, courez le dire loin à la ronde, allez au trot, disparaissez pour le crier à tout le monde. On baisse les yeux, c'est plus prudent. On baisse les yeux pour s'attarder parmi les monuments aux morts et les stèles brisées, en s'obstinant à y chercher ta croix et à guetter les mots que quelques-uns voudraient peut-être, une fois pour toutes, voir inscrit sur ta tombe « Jésus le Christ, 33 ans, célibataire, mort pour l'humanité, l'humanité reconnaissante, une fois pour toutes, et puis c'est tout. » Mais rien n'y fait, le tombeau est ouvert, ce que l'on peut être bête parfois, un point noir nous aveugle, le tombeau est ouvert déjà. Et nous demeurons face à ce mystère qui nous effraie et qui ébranle jusqu'à nos certitudes, qui nous confond, défiant toute raison, à ce point que l'on est même parfois tenté d'écouter ceux qui disent « c'est un symbole, c'est une allégorie ou une façon de parler, si vous voulez, qu'importe finalement que le corps n'y soit plus ou qu'il y soit encore. » Voilà ce qu'ils disent ceux-là. Et pendant ce temps-là, d'autres les contredisent. Ô Seigneur, et toi, que peux-tu bien te dire en nous voyant passer là le plus clair de notre temps, à nous observer de travers, à nous prendre de bec, à tenter sans arrêt de faire avec ou à vouloir faire sans, tandis que l'on s'obstine à chercher vainement ici-bas, à ras de terre, entre des tombes, levons un peu le nez. Oh oui, Seigneur, aide-nous à lever le nez, aide-nous à ouvrir les yeux, et s'il te plaît, pardonne-nous nos inerties. Parfois la vie après la mort nous terrifie plus que la mort. Alors, dans ton amour et devant l'évidence, apprends-nous la confiance et à accepter le défi telle qu'elle de la bonne nouvelle, sans résistance, à le porter plus loin aussi, dans l'espérance de ta grâce. Amen. Et nous fredonnons dans le psaume et cantique, le numéro 321, aux strophes 1, 2 et 3. Thank you.
Il ne s'agissait que d'un petit numéro de différence. Et si le Christ n'est pas présent maintenant, quand le sera-t-il ? Et nous lisons ce matin dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, les versets 1 à 8. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et, levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or, elle était grande. Entrées dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici, voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne. Elles avaient peur, en effet. Et nous lisons maintenant, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 1 à 11, 42, 43, 54, 55 et 58. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés. Je vous ai transmis ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois. La plupart sont encore vivants, quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il m'est aussi apparu à moi, l'avorton, car je suis le plus petit des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous proclamons et voilà ce que vous avez cru. Il en est ainsi pour la résurrection des morts. Semés corruptibles, on ressuscite incorruptibles. Semés méprisables, on ressuscite dans la gloire, semé dans la faiblesse, on ressuscite plein de force. Quand donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, faites sans cesse des progrès dans l'œuvre du Seigneur.
sachant que votre peine n'est pas vaine dans le Seigneur. Quelqu'un a dit « Si l'événement du matin de Pâques avait eu lieu de nos jours et qu'une caméra de surveillance ait pu filmer le tombeau depuis le vendredi jusqu'au matin de Pâques, une des grandes énigmes de l'histoire serait résolue. » Vraiment ? Qu'en pensez-vous? Une caméra de surveillance. Personnellement, je n'en suis pas sûr et j'en veux pour preuve un événement qui a eu lieu il y a une année à Minneapolis, un peu moins d'une année à Minneapolis, et qui a été filmé par une jeune adolescente avec son smartphone. 8 minutes 46. Les 8 minutes 46 les plus longues de l'histoire récente, car elles ont été mises sur les réseaux sociaux et revues des millions de fois. Tout s'y trouve, on y entend des supplications de l'homme qui est à terre et qui ne cesse de redire « je ne peux pas respirer ». On y entend des interventions de la foule, demandant au policier de retirer son genou du cou de l'être à terre. Certains appartiennent même au cœur des sauveteurs, au corps des sauveteurs, des pompiers, de la police, mais qui ce jour-là avaient congé. On a l'impression d'une crucifixion à l'envers, où les gens ne crient pas à mort, mais où les gens crient « mais sauve-le ». Une année après, comme une sorte de témoignage, de prémisse de témoignage de la résurrection, ces êtres se retrouvent dans un tribunal à dire leur regret, comme Pierre. Leur regret de n'avoir pas été plus loin, de n'avoir pas tenté encore davantage. On les voit en larmes. Tout a été filmé. Les avocats lisent chacun les événements avec leurs lunettes. Mais au bout du procès, la grande énigme de ce qui s'est passé ce 25 mai 2020 à Minneapolis sera-t-elle résolue? Je ne dis pas que le visionnement du film ne soit pas nécessaire, ni que la visite des faits à travers les différents témoignages ne soit pas précieuse, ni même que les interventions des différents avocats ne soient pas nécessaires, voire indispensables pour que justice soit rendue. Mais j'ai l'impression que l'ensemble de la démarche n'arrivera pas à aller plus loin que ce que fait l'ange, cet homme en blanc, dans le tombeau, et qui dit « Il n'est pas ici, vous cherchez le crucifié ». Il est ressuscité. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Ce besoin de voir, si nécessaire. Il y a une semaine, tout près de chez moi, une femme a été tuée dans un accident, semble-t-il, vraiment stupide. On a besoin d'aller voir, mais enfin, c'était où? Récemment, enfin, il y a quelques années, perdant un ami, j'ai eu besoin de voir l'album des photos de ces derniers moments, au point qu'on se demande, mais est-ce que je suis un voyeur, ou bien est-ce que j'ai simplement besoin de m'approcher le plus loin possible de ce qui est possible, ne serait-ce que pour faire un petit pas, justement, vers ce qui ne pourra pas, ce qui n'a pas pu, ne pourra jamais
être filmée. Dans l'évangile de Marc, l'évangéliste nous propose un récit assez surprenant. L'annonce de la résurrection s'achève, j'aurais presque envie de dire, elle s'accomplit. À travers ces mots, les femmes sortirent, s'enfuirent, loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, elles avaient peur, en effet. Comment comprendre ? Elle ne dit rien à personne et pourtant l'évangéliste Marc le raconte. Il dit justement cela qu'elle ne dit rien à personne. N'y a-t-il pas là comme une incohérence ? L'évangéliste Marc qui raconte que les femmes n'ont pas raconté. Quelques lignes au-dessus, Marc n'en était pas à une incohérence près, on voit les femmes qui vont au tombeau avec des aromates. Alors que deux chapitres en dessus, une femme avait déboulé dans une scène d'un repas avec un parfum de nard précieux que les disciples ont pensé qu'on aurait pu le vendre et le donner aux pauvres. Elda nous a rappelé ce récit deux fois cette année. Et pourtant ces femmes, ce matin-là, Jésus, qui avait réinterprété le geste de cette femme qui venait de nulle part comme étant liée à son embaumement, et là, ce matin, ces femmes qui vont au tombeau pour embaumer Jésus. Incohérence. Un lecteur attentif du récit découvrira que dans leur dialogue intérieur, les femmes se rendant au tombeau se disaient entre elles « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Levant la pierre, levant les yeux, elle voit que la pierre est roulée et littéralement c'est écrit « parce qu'elle était grande ». J'aime autant vous dire que les traducteurs renversent ça, trouvent un moyen de passer par-dessus ce qui leur apparaît comme une incohérence. Mais l'évangéliste Marc n'est pas à une incohérence près devant la résurrection. C'est que tout dans son récit cherche à exprimer ce paradoxe de la continuité dans la discontinuité. Ce paradoxe qui ne sera pas levé le matin de Pâques ni à aucune célébration de Pâques qui suivront. Le récit de l'évangile de Marc, dans son ensemble, ne cesse de défaire ce qui tient et d'accueillir ce qui vient. Il n'hésite pas à terminer son évangile par un tombeau vide. Puis on en reste là. Un tombeau vide, une absence, une non-parole, un silence. C'est très difficile de tenir devant un silence. Vous y arrivez, vous ? Devant ce dénuement d'une non-parole, vécu comme un échec, combien de temps sommes-nous capables de tenir devant un silence, une non-parole, pour laisser la place à la promesse de l'inattendu ? Vous savez, le 318 qui vient à la place du 321. La communauté d'alors avait tout, comme nous. Les disciples et les femmes, comme nous, avaient en main ce fait que Jésus leur avait dit par trois fois qu'il allait mourir, crucifié, qu'il allait ressusciter et qu'il les attendrait en Galilée. C'était tout déjà écrit, bien avant le récit de la Passion. Et ici, au moment des fêtes, le tombeau est vide. Et c'est la débâcle, la fuite. On sait que la nature n'aime pas le vide. Elle le remplit. Ici, si vous allez regarder votre évangile de Marc, vous verrez qu'on a ressenti le besoin de poursuivre. Alors on a bricolé avec les deux autres évangiles et on a créé une fin qui était plus acceptable.
Dans d'autres évangiles, dits apocryphes, comme l'évangile de Pierre, on voit même deux hommes descendre du ciel avec des habits brillants, rouler la pierre, entrer dans le tombeau, prendre ce pauvre Jésus de sous les bras et de l'emmener dehors, afin que sa tête touche le ciel. Les évangiles retenus au IVe siècle, au IIIe, IVe siècle, ont fait le choix de ne pas faire cela, de nous garder devant le tombeau vide. Alors combien de temps sommes-nous capables, encore une fois, de rester les mains ouvertes? Vous savez, ces mains du dénuement, de la prière, où on ne trouve pas les mots. Lao Tzu, un sage du VIe siècle avant Jésus-Christ, avait écrit que dans une roue, il y a 30 rayons qui convergent vers un noyau, vers un moyeu, mais que le vide entre les rayons, c'est ça qui fait avancer la roue. D'une motte de glaise, dit-il, on façonne la jarre, mais c'est bien le vide en elle qui permet de la rendre utile. Ou encore, les murs, portes et fenêtres forment la maison, mais c'est bien le vide de la chambre qui permet de l'habiter. Ce matin-là, le tombeau était vide. Des femmes étaient sorties du tombeau. Elles s'étaient enfuies loin du tombeau car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées. Elles n'ont rien nié à personne parce qu'elles avaient peur. Et pourtant, vous êtes là ce matin. Qu'est-ce qu'il y a eu entre? Vous êtes la seule preuve historique, vous, que le Christ est ressuscité. Pouvez-vous le reconnaître? Si vous avez besoin d'une preuve de la résurrection, la voici. Regardez-vous les uns les autres. Avec vos qualités et vos défauts. Avec vos succès et vos échecs. En termes bibliques, on dirait avec vos Judées et vos Galilées. C'est dans vos Galilées que Jésus vient vous chercher, qu'il vient vous visiter, avec vos joies, vos désespoirs, vos moments pleins et vos moments vides. Tous ces moments où on se dit, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi est-ce que je suis encore là? Pourquoi est-ce que je ne sers à rien? Si nous ne sommes pas capables de rester ouverts en attendant la poursuite du sens, qui d'autre que nous sera capable de cela sans chercher cette résolution définitive pour qu'enfin on en ait fini avec ce sujet? La semaine dernière, Moutier a voté et vous avez certainement entendu, ben maintenant on en aura fini avec l'affaire du Jura. Vous y pensez vraiment? L'apôtre Paul est l'un de ces nombreux miroirs sur la route. Avec ses qualités et ses défauts, il a reflété la vie jusqu'à nous, lui qui raconte que Jésus a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour pour nous selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas. Ça vient de vous être lu, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois.
Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dont une bonne partie de la Bible est écrite. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi l'avorton, car je suis le plus petit des apôtres. Moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Il y a de la place à la suite de cette longue liste de personnes commencée par l'apôtre Paul. Mais qui sera capable de poursuivre cette liste non filmable pour George Floyd? Il y a une parole que je n'ai pas encore abordée et qui figure au milieu de notre texte de l'évangile de Marc, et c'est sur cette parole d'ailleurs que je voudrais terminer. Au milieu du tombeau, l'homme en blanc, il souffle la suite de la route en disant « N'ayez pas peur ». C'est par elle que je voudrais donc terminer. « N'ayez pas peur », cette invitation, cette injonction est répétée 366 fois dans la Bible. Elle est adressée ici par un mystérieux personnage aux allures célestes à des femmes qui, justement, quittent le tombeau en ayant peur. On pourrait se dire que sa parole n'a pas marché. Mais heureusement, c'est un être céleste, un être divin. Ça veut dire que le projet de Dieu n'aurait donc pas marché, si vous voulez aller dans ce sens. Pas très efficace, en effet. Peut-être parce que cette parole tente de dire un mot dans cet espace restreint entre ce que nous voulons retenir de ce que nous savons pour nous y cramponner dans la possession et ce que nous devons lâcher dans la dépossession. C'est un espace infime qui justement commence au matin de Pâques devant un tombeau vide. Jésus semble n'avoir pas eu peur. Toute sa vie, il a surmonté sa peur. Il n'a pas eu peur de transgresser les 10 commandements par le respect du sabbat qu'il a transgressé. Il a désobéi à Dieu selon une compréhension de la loi. Il n'a pas eu peur de transgresser les règles de la pureté, les codes qu'on avait à l'époque, touchant un lépreux ou mangeant avec un malfamé ou un pécheur. Il n'a pas eu peur de dénoncer ce qui croit protéger la vie et qui finit par l'enfermer. Il a su, il a osé s'adresser à ceux et celles qui n'entendaient plus, à visiter ceux qui ne voyaient plus, qui n'avançaient plus. Il n'a eu peur ni de la maladie, ni de la guérison. Il n'a pas eu peur de Judas ou de Pierre. C'est lui qui les a choisis, et en connaissance de cause. Il n'a pas eu peur du chef du Sanhédrin, qui, lui, voyait son autorité menacée par Jésus. Il n'a pas eu peur de Pilate, qui a eu peur de ne plus être l'ami de César. Il n'a pas eu peur de la peur. Il n'a pas eu peur de la peur de la mort. Il n'a pas eu peur de la vie. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la vie, ni de votre vie, ni de la vie avec un grand V. Elle sera toujours autre que tout ce que vous savez ou croyez. Vous pouvez la trouver en revisitant le film de votre vie, bien sûr, ou en reprenant les mots du jeune homme vêtu de blanc en Galilée, dans la Galilée de vos vies. Ceci aussi pour vous dire que ce n'est jamais très loin. La Galilée, c'est pas très loin. Il se peut aussi
qu'elle nécessite simplement un changement de regard, la vie. Un changement de regard sur le film. Un instant de désaveuglement. Cela au cœur du silence, de l'espace vide, au cœur de la lézarde dans la jarre ou de la cruche, au cœur de la prière, les mains ouvertes, dans le souffle indicible de la foi. Alors pour vous aider ce matin mutuellement à entrer dans ce regard de confiance dans lequel il est si difficile d'entrer par soi-même, dans l'esprit de la liste des témoins énumérés par l'apôtre Paul, mais aussi du miroir, des miroirs que vous êtes les uns pour les autres, je vous invite à vous regarder mutuellement, les uns les autres, à surmonter quelques instants votre gêne ou votre peur. On n'est jamais très à l'aise en regardant quelqu'un. La pudeur, vous connaissez, et alors à identifier le ressuscité qui se trouve dans votre voisin, dans votre conjoint, dans votre fils ou votre fille que vous aurez à table à midi. Guettez le ressuscité et vous saurez le voir assis à votre table ou maintenant à vos côtés. Amen. Elda, tu le caches bien derrière ton masque, mais il est ressuscité. Juliette, il est ressuscité. Catherine, il est ressuscité. À vous de demander les prénoms des autres pour vous dire mutuellement en vous voyant derrière votre masque, il est ressuscité. C'est à vous.
Reconnaissez que c'était très dur. Nous nous levons pour confesser notre foi par le texte qui se trouve au dos de vos feuilles. Un texte qu'un jour, un dimanche de Pâques, il y a de cela 2 ans, je crois, ou peut-être 3, votre père m'a demandé à la sortie. Il voulait voir avec l'original. Il était pasteur. Je crois en Dieu, malgré son silence et son secret. Je crois qu'il a fait le monde pour le bonheur et la vie. Malgré les limites de notre raison et de notre cœur, je crois en ce Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Dieu. Je crois en Jésus-Christ, malgré les siècles qui nous séparent de lui. Je crois en sa parole, malgré son échec et son humiliation. Je crois qu'il n'est pas mort pour rien. Malgré nos incompréhensions et nos refus, je crois à la résurrection. Je crois en l'Esprit Saint, insaisissable et surprenant comme le feu, le vent et l'eau, qui germe au plus secret de l'humain, qui surgit au cœur des foules. Il est dans la brise légère et dans la tempête, qui soulève les groupes pour réclamer justice. Il est sève d'amour qui ouvre les yeux et délie les langues, vie débordante qui nous rassemble, créateur de liberté, garant de vérité. L'Église des baptisés est une, sainte et ouverte à toute personne qui vient. Elle est composée de membres qui tombent et qui chaque fois se remettent debout. Grâce au pardon, à l'amour de Jésus et l'espérance en son retour, en cette Église-là, je crois. Et nous fredonnons le numéro 58 de vos feuillets tirés du cœur à cœur. Je vous invite à vous asseoir. Et j'invite mes collègues à s'approcher pour présider la liturgie de scène ainsi que les acolytes, on les appelle les servants de messe dans la tradition de l'église d'à côté, qu'ils s'approchent à mes côtés. Et je vous invite à la prière. Seigneur, qu'il est difficile de garder les mains ouvertes et le cœur aussi. Qu'il est difficile de commencer par se taire, d'accueillir le silence et le vertige de la peur.
qu'il est difficile de percevoir ta présence en ce lieu où tu n'es plus et celui où tu n'es pas encore. Qu'il est difficile de te donner une place par la foi entre nous dans ces deux lieux. Qu'il est bon de te voir accepter le trouble, la peur et le mutisme des femmes au tombeau du matin de Pâques et d'en faire les prémices du témoignage de la résurrection qui se miroite dans le monde à travers le relais des paroles et des visages d'humanité d'hier, d'aujourd'hui. Qu'il est bon de t'entendre nous reconvoquer sans cesse dans la Galilée de nos vies, malgré les désaveux, les trahisons, les reniements, les hontes, les fuites, les échecs, les peurs qui parfois les constituent. Dans un monde qui regarde tant au prestige et à l'apparence, nos vies sont telles qu'elles sont, les reflets de ta proximité bienveillante et sûre. Amen. Tu es béni, Père. C'est toi qui as tout créé. Et au matin de Pâques et par l'événement de la résurrection, les fondements même de ta création ont été touchés. La pierre, malgré sa taille, a été roulée. Le monde nouveau promis par les prophètes et par Jésus a commencé. Aide-nous à savoir l'honorer dans notre rapport à ta création. Tu es béni, Jésus-Christ, tu nous unis à toi, tu refais la paix avec nous, pour que tout ce qui nous habite, ce qui en nous veille, comme ce qui retient et qui garde, participe au flux de ta vie. Tu es béni, Saint-Esprit, tu transformes notre peur en prière de louange et en joie. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les disciples. Pendant le repas, il prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris une coupe et remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. » Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que je le boive nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. Viens, Esprit créateur et récréateur, hôte invisible de nos existences, brise d'amour sur nos blessures. Donne vie à la parole qui nous fait signe dans le pain rompu et la coupe partagée. Qu'au plus intime de nous-mêmes, la présence du ressuscité ouvre maintenant un chemin de joie et de paix. Souviens-toi, Seigneur, de notre peur d'être oubliés,
de notre peur de ne pas compter, de notre peur de passer inaperçu. Souviens-toi de notre tendance naturelle à mettre en avant tout ce que nous faisons, tant nous sommes peu sûrs de ce que nous sommes. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand, témoins du geste d'un inconnu, nous pressentons la vanité de nos discours et la plénitude de la vie humaine lorsqu'elle se donne pour rien. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu fais halte dans la maison d'à côté et que ta présence nous sollicite. Souviens-toi que nous ne savons pas encore très bien s'il est vraiment prudent de laisser parler notre cœur sans retenue. Souviens-toi de tous les êtres sans parole, les êtres aux gestes d'or, les êtres qui proclament l'Évangile sans même le savoir, partout dans le monde, autour de nous et loin de nous. Souviens-toi de nous au moment où nous faisons mémoire de tous ces êtres qui nous ont aidés et nous aident encore à vivre, pour qu'un jour notre intercession soit aussi un geste d'adoration. Et nous voulons dire ensemble la prière que tu nous as apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ce pain que nous partageons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ce corps que tous ensemble nous formons aujourd'hui. Lui est mort pour que tous, ici, nous puissions vivre dans la certitude que Dieu nous aime. Cette coupe est la communion à la vie que Dieu nous offre à tous, par Jésus-Christ ressuscité, pour que sa vie s'écoule en nous et par nous. Nous communierons comme vendredi saint, à savoir, vous allez vous approcher depuis le fond, en commençant peut-être par les personnes qui sont à la galerie. Vous descendrez d'abord, ensuite les personnes depuis le fond, un rang après l'autre, en gardant les bonnes distances les uns vis-à-vis des autres. Ici, juste à l'avant, vous recevrez non pas du gel comme vendredi, mais un liquide qui vous permet de désinfecter vos mains. Un morceau de pain vous sera donné et vous aurez une petite coupe individuelle. Celles avec un ruban bleu sont avec du jus de raisin, celles sans ruban bleu sont avec du vin. Ensuite, vous poserez vos petites coupes dans les deux bacs-bols qui sont de part et d'autre. Vous repartirez donc sur les côtés. Gabriel avait donné cette très belle indication. Vous gardez le masque pendant que vous nettoyez les mains, vous recevez le pain et vous n'enlevez votre masque que pour consommer.
et ensuite vous remettez le masque pour repartir. C'est ainsi que les indications nous ont été données de la part de notre modérateur. Venez, car tout est prêt.
Nous prions. Merci Seigneur pour ce repas qui nourrit notre quête d'une vie de plénitude. Toi qui sais combien façonner l'humain est un artisanat délicat, apprends-nous les paroles qui vivifient, les regards qui font exister et les gestes qui redonnent confiance. Tiens-nous à la juste distance les uns des autres, garde-nous de l'indifférence comme de la mainmise, afin qu'à travers nos rencontres, ta vie passe vers demain, là où tu seras toute en tous. Amen. Et cette fois, nous fredonnons véritablement le numéro 321 aux strophes 1, 1, 2 et 3. L'offrande de ce jour que vous pourrez mettre à la sortie est destinée au DM, un projet qui s'intitule le SECAR, pour un développement qui respecte l'humain et la nature, une association internationale présente en Afrique et en Europe. Le SECAR, c'est Service chrétien d'appui à l'animation rurale, c'est un réseau d'une vingtaine d'églises et d'organisations actif dans une dizaine de pays d'Afrique francophone, ainsi qu'en France et en Suisse. Les membres du réseau s'engagent pour un développement holistique, c'est-à-dire total, qui touche toutes les dimensions de l'être humain, matériel, social et spirituel. Il vise l'amélioration du bien-être dans les communautés rurales des pays suivants: Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, Bénin, Cameroun, Tchad, Rwanda et République démocratique du Congo, dans le respect de l'environnement. Vous avez un feuillet dans votre chaîne info que je vous invite à prendre avec vous pour des questions aussi sanitaires. Ce feuillet vous donnera beaucoup d'indications nécessaires. Ce que vous mettrez ici dans le tronc ne sera pas déductible de vos impôts. C'est un geste fou. Mais ce que vous verserez à travers le bulletin rose sera déductible de vos impôts. Cette semaine, nous avons pris congé de Madame Maria do Carmo Godin, de la famille Godin, très présente dans cette paroisse. Nous avons pris congé de Monsieur Jacques-Auguste Arnaud. Pour ceux qui s'en souviennent, Jacqueline Arnaud, l'épouse de ce monsieur, la première épouse de ce monsieur, était très présente dans cette paroisse jusqu'à son décès accidentel il y a une vingtaine d'années. Et nous avons pris congé de Madame Georgette Dunant,
dont nos amis du Nant sont ici, c'est leur belle-sœur. Nous sommes en communion de pensée et d'amitié avec eux. À la sortie, il vous sera proposé des fleurs. Talia, je vous invite aussi à venir. Merci beaucoup. Donc, comme si bien dit par Michel Char, nous vendons des fleurs à la fin de ce culte pour notre voyage qui est durement préparé depuis maintenant 2 ans. C'est un projet pour un voyage en Palestine, dans l'orphelinat Saint-Vincent de Paul, qui a pour but une aide financière et morale aux sœurs ainsi qu'aux orphelins. Et cette action, en achetant des fleurs, nous permettrait de pouvoir justement finaliser ce projet et de pouvoir, si toutefois les conditions nous le permettent, partir justement en Palestine pour pouvoir mettre à bien ce projet depuis 2 ans de préparation. Voilà, merci beaucoup. C'est un groupe de jeunes, de post-catéchumènes de notre région, c'est-à-dire de jeunes qui ont déjà fini leur parcours catéchétique, plutôt que de les laisser dans la nature. Ils sont très proches, très actifs au sein de notre Église. Et ils se réunissent autour d'un projet conçu par eux-mêmes et que les ministres que nous sommes, nous les y accompagnons dans sa réalisation. Ça fait 2 ans qu'ils ont conçu ce projet d'aller en Israël, Palestine et Jordanie. Pourquoi ces 3 lieux sont là les 3 lieux marquants de la vie du ressuscité que nous fêtons aujourd'hui? Né à Bethléem, mort à Jérusalem, mais il est passé par Galilée. Les 3 points importants de la vie du Christ historique, Jésus historique, je veux dire. À Bethléem, il y a cet orphelinat, et vous savez que dans ce pays, toute jeune fille non mariée et qui tombe enceinte est sujette, susceptible d'être lapidée. Alors les jeunes filles, ce qu'elles font, elles camouflent leur grossesse et quand elles arrivent à terme, soit elles vont accoucher dans la forêt, elles abandonnent l'enfant, ou alors, voilà. Et il y a cet orphelinat des sœurs de Saint-Vincent de Paul qui sont catholiques, qui se chargent à ramasser ces enfants et les accueillir dans leur orpheline. Nous y avons été il y a quelques années avec d'autres postes catéchumènes pour leur apporter ces soutiens financiers, affectifs et ainsi de suite. Et l'actuel groupe des postes catéchumènes de notre région a été touché aussi par le projet de ceux qui les ont précédés et ils sont en train de travailler pour réunir les moyens nécessaires pour aller soutenir ces orphelins en Palestine et d'autres parties de cette partie du monde. Donc nous essayons d'organiser certaines activités capables de rapporter un peu de sous pour réaliser ces projets. Et aujourd'hui, comme à Vendeuvre, au moment où nous parlons, il y a une partie de ce jeune qui est à Vendeuvre pour vendre des fleurs. C'est à prix libre. Vous donnez ce que vous voulez et les fleurs vous attendent à la sortie du culte. Ils sont 3 aujourd'hui, il y a une qui est restée au fond là. C'est Léa. D'avance, merci de votre attention et de votre générosité. Donc vous avez bien compris, vous ne versez pas votre porte-monnaie dans la collecte. Il faut garder quelque chose pour après. Ben, je ne pense pas qu'ils aient une machine pour les cartes. Il y a Didier encore.
me suis dit que j'étais responsable jusqu'à 11h10, puis à partir de maintenant, la parole est à vous. Oui, bonjour. Je crois que vous m'avez venir. La semaine passée, je vous ai déjà fait une annonce pour la CAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Alors voilà, je voulais juste vous faire un petit bilan. J'ai eu 35 signatures la semaine passée, c'est magnifique. Mais si les personnes qui n'ont pas signé pouvaient signer, aujourd'hui, je suis à la sortie. Et si on arrivait à 50, ce serait encore plus magnifique. Ce serait bien pour Pâques. J'ai fait un petit calcul qui va peut-être vous intéresser, parce qu'on se demande de temps en temps, mais dans le fond, nos signatures, c'est utile, à quoi ça sert, ils les envoient et on n'a pas de suivi. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des suivis, je vous en ai fait part la semaine passée. On a eu une défendeuse des droits humains iranienne qui a été condamnée à 10 ans en 2005 et elle est aujourd'hui dehors. Voyez, donc il y a de temps en temps des actions, même pour des gens condamnés à perpétuité, qui s'en sortent mieux que sans peut-être notre petite goutte d'eau. Alors maintenant, j'ai fait un petit calcul. Ça vaut ce que ça vaut, mais des fois, c'est intéressant. Si on arrive à Chênes, à nos 50 signatures, j'en ai 35, et si un canton sur deux en Suisse fait la même chose, alors nous aurons 3250 signatures au total pour la Suisse. Et j'ai divisé ce chiffre par 25, parce qu'il y a 25 signatures par chiffre, et ça nous donne 130 pages. Imaginez, en résumé, si vous voulez bien signer, notre action commune en Suisse ramènera pour le destinataire environ 130 pages fois 25 signatures. Et maintenant, on va rêver, parce que c'est Pâques. Si vous imaginez que la Suisse est un petit pays avec 8 millions d'habitants, et qu'il y a beaucoup de pays autour avec beaucoup plus d'habitants, au revoir. Et qu'il y a d'autres pays plus grands que le nôtre, ce ne sera pas 130 pages, mais ce sera probablement 1300 ou peut-être 13 000 pages. Et là, je peux vous laisser imaginer, une personne qui reçoit 13 000 feuilles de signature restera difficilement insensible. Donc voilà, si vous voulez bien signer, ce sera avec plaisir, je suis à la sortie. Merci beaucoup et bonne fête de Pâques. Et merci Michel. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la peur? Soyez toujours dans la joie, dit l'apôtre Paul. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Examinez tout avec discernement. Retenez ce qui est bon. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous appelle. Il est fidèle, il vous affermira, il agira toujours. Amen.